Salut les gars, les filles. Aujourd'hui, je vais vous montrer une activité pour faire avec des enfants. Du graphisme. J'ai fait avec des enfants des 5 ans et vous allez voir, c'est merveilleux. Ils ont fait des choses superbes. Et c'est très facile. J'ai utilisé des feuilles A4 ou A3, de l'encre, des couleurs, des pinceaux, des feutres brillants, du vernis et de la gouache noire ou de l'acrylique noir. Tout d'abord, comme je vous disais, j'ai fait ça avec des enfants de 5 ans. Et donc, je leur ai donné un modèle, on va dire, je leur ai fait plusieurs modèles. Sur un morceau de papier, je leur ai dit, voilà, montrer et dessiner comme si c'était des feuilles. Et je leur ai montré comment il fallait qu'ils partagent leurs feuilles. Donc, soit, voilà, avec des quadrillages, soit avec des ronds, enfin voilà, plusieurs modèles, j'en ai mis plusieurs, et ils ont choisi après celui qui voulait, qui était capable de faire. Ils ont choisi ce qu'ils ont voulu, mais bon, le but c'était de partager la feuille en plusieurs parties. Donc une fois que je leur ai donné, voilà, montré des modèles, je leur ai fait des modèles. Après, ils ont choisi, donc chacun est ce qu'il a voulu. Moi, je vais vous faire là, ici, ben, un des modèles qu'ils n'ont pas choisi eux. Ils sont presque choisis tous de même. Donc après, bah moi je prends une A4, ils l'ont fait soit une A3. Vous verrez à la fin le résultat. Et donc après, bah avec un pinceau et puis de la peinture noire, de la gouache noire, et bah ils ont divisé donc la feuille de la façon qu'ils sont choisis. Donc une fois qu'ils ont partagé la feuille et que la peinture était sèche, après avec de l'encre, des couleurs, mais ils sont remplis chaque espace. Je leur ai dit de remplir les espaces avec pas de la même couleur côte à côte. D'accord. Donc ils ont essayé, dans la mesure du possible, ils ont essayé de faire comme ça, de remplir. Et de ne pas coller deux couleurs pareilles ensemble. Une fois que l'encre était sèche, ils ont pris des feutres brillants. Et donc ils sont faits dans chaque espace, ils ont fait des graphismes différents. Donc là aussi je leur ai mis des modèles. Donc je vous montre là quelques modèles que je leur ai mis, donc des graphismes très simples pour des enfants de 5 ans qui sont capables de faire. Hein. Il y en a qui le font mieux, il y en a qui le font moins bien, mais ils sont capables de le faire sans problème. Donc comme je vous dis, des petits points, des petits carrés, des petits ronds, des ponts, voilà. Des triangles, des choses très simples. Donc quelques-unes, j'ai donné des idées, d'autres, eux, ils sont trouvés tout seuls, donc ils sont faits comme ils ont voulu. Mais voilà, ils ont réussi quand même à le faire. Donc je vous donne là quelques modèles très simples pour les enfants. Et vous voyez, ça donne un résultat quand même pas mal. Voilà, des petits cœurs, des papillons, tout ce qu'ils veulent. Et après, une fois que c'était fini, qu'ils sont finis, ben je vernis avec le vernis à wash. Si c'est de l'acrylique brillante, ben vous n'avez pas besoin de mettre du vernis, mais bon, ça fait une finition plus jolie. Et donc voilà, donc une fois que c'était comme ça, ben je vous laisse découvrir. Donc là, c'est le mien, et là, c'est ceux des enfants. Qui, comme je vous disais, je sais pas vous, mais moi j'adore. Ils ont fait des choses superbes. J'adore parce que c'est régulier, c'est tout différent, donc c'est une merveille pour moi. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Si vous aimez, j'espère que vous allez faire cette activité avec des enfants. C'est vraiment génial. Et si vous aimez aussi, j'espère que vous allez vous abonner. N'hésitez pas surtout. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.